Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Amar. Madame la ministre des Affaires culturelles, Ayet Kriat Germez. Autorités présentes, chers collègues, cari connationali, c'est un honneur et un immense plaisir de célébrer avec vous, à 8 mois de mon arrivée en Tunisie, la fête nationale de la République italienne. 8 mois intenses, riches de collaboration, de projets partagés, d'un avenir commun. Un lien naturel qui unit l'Italie et la Tunisie. Un lien qui ne cesse pas de se consolider et qui se manifeste concrètement en un partenariat global à 360 degrés. Un lien qui se confirme chaque jour par l'intensité des relations politiques. Il suffit de penser aux 5 premiers mois de 2023, au cours desquels nous avons enregistré des contacts constants entre Rome et Tunis et des visites institutionnelles continues dans les deux sens au plus haut niveau, dans un processus de renforcement de la collaboration bilatérale, à commencer par la visite conjointe en Tunisie en janvier du vice-président du Conseil Tajani et du ministre de l'Intérieur Piantedosi, suivie par les visites en mars et avril à Rome des ministres de la Finance et des Affaires étrangères. À cet égard, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier, Monsieur le ministre, encore une fois, pour votre visite à Rome peu après votre prise de fonction. Je voudrais aussi profiter de sa participation à la fête nationale pour remercier Madame la ministre des Affaires culturelles pour avoir permis d'avoir ici ce soir le chœur de l'Opéra de Tunis et pour l'excellente collaboration avec le ministère que vous dirigez. Un domaine, celui de la culture, où la coopération se développe d'une manière naturelle et qui voit la participation, entre autres, de musées, théâtres, universités, cinéma et parcs archéologiques. Un lien naturel, je le souligne, qui se renforce encore plus dans les moments les plus importants. Dans cette phase délicate pour toute la communauté internationale, à cause des dramatiques années de pandémie et des conséquences mondiales de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le gouvernement italien œuvre avec l'Union européenne et les principaux partenaires internationaux pour faciliter la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire. Nous poursuivrons en tant qu'Italie ce travail de soutien dans le plein respect de la souveraineté nationale. Un lien naturel qui rend nos défis communs. L'Italie et la Tunisie regardent ensemble vers le futur. Un avenir plus durable. Compte tenu de cet objectif, l'Italie et la Tunisie, avec le soutien de l'Union européenne et des principales institutions financières internationales, sont les pays qui réaliseront le projet du siècle, comme l'ont défini de nombreux organes de presse locaux. Une infrastructure stratégique capable de modifier les équilibres de la sûreté énergétique et de donner un nouvel élan au développement des énergies renouvelables. Je fais référence au projet ElMed, le câble électrique sous-marin qui unira non seulement Italie et Tunisie, mais également l'Europe et le continent africain. Nous sommes également engagés à garantir des meilleures perspectives pour les jeunes générations. Dans ces derniers mois, nous avons systématisé les besoins en emploi des entreprises italiennes dans les pays avec les capacités de formation des autorités tunisiennes. Grâce à cette synergie, nous avons lancé un premier projet pilote en faveur de 300 jeunes tunisiens qui seront bientôt employés dans les entreprises italiennes. En parallèle, un accord en cours de finalisation permettra l'entrée de 4 000 travailleurs en Italie.
Il s'agit d'un ensemble d'instruments visant aussi à gérer le phénomène de la migration irrégulière, qui voit Rome et Tunis unis aussi bien dans les conséquences que dans les objectifs. Nous partageons la conviction que ce phénomène doit être abordé selon une approche globale. Une approche qui allie les aspects prioritaires de la sûreté au développement économique. À cet égard, je voudrais une fois de plus remercier le gouvernement tunisien pour les efforts constamment déployés. Et je suis convaincu que seul un partage, et le gouvernement italien est convaincu que seul un partage étroit des objectifs entre Rome, Tunis et l'Union européenne permettra de lutter de manière efficace contre les réseaux des trafiquants d'êtres humains et d'éviter de nouvelles tragédies de la mer. L'Italie est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la Tunisie. Ce résultat extraordinaire est également dû au travail incessant de plus de 900 entreprises italiennes présentes dans ce pays et de la communauté italienne qui je tiens à saluer chaleureusement encore une fois. Ancora un caloroso saluto a tutti gli italiani e connazionali presenti. Nous travaillons pour consolider ce résultat extraordinaire aussi avec l'organisation d'un business forum italo-tunisien qui se tiendra le prochain mois d'octobre en Tunisie. Dans le même cadre, une approche de système nous inspire de la candidature de Rome à Expo 2030. Si Rome sera sélectionnée, le tourisme en Tunisie pourra certainement en bénéficier. Avec les 36 millions de touristes attendus pour cette occasion. Je voudrais en conclusion rappeler l'engagement de la coopération italienne, toujours dans le cadre d'une approche globale, avec une enveloppe de plus de 700 millions d'euros et plus de 75 000 postes d'emploi créés. Parmi les projets, à titre d'exemple, l'Italie vient de réaliser auprès de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis le plus grand centre de réanimation néonatale de la Tunisie, qui sera inauguré dans les prochains mois et qui permettra de naissances plus sûres. J'aime conclure avec le mot « naissance », qui veut dire « avenir », dans la conviction que l'avenir des relations entre la Tunisie et l'Italie puisse être toujours riche de projets partagés, de croissance, d'échanges culturels, d'amitié et de respect mutuel. Mais je ne peux pas conclure sans dire quelques merci. Merci à tous les sponsors qui ont soutenu l'organisation de cette fête nationale. Merci à le staff de l'ambassade pour l'extraordinaire travail quotidien. Et merci à ma famille, ma femme et mes enfants pour leur soutien constant et fondamental. Vive l'Italie, vive la Tunisie, vive l'amitié tuniso-italienne. Monsieur l'ambassadeur, Madame la ministre des Affaires culturelles et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, je partage avec vous ce soir et avec grand plaisir la célébration de la fête nationale de la République italienne. En mon nom personnel et au nom du gouvernement tunisien, j'exprime mes félicitations les plus chaleureuses et mes vœux les plus sincères de progrès et de prospérité au peuple italien, voisin et ami. Merci à vous, ambassadeur Fabrizio Saggio, pour les propos aimables à l'égard de mon pays et que je sais sincères. Des relations étroites ont toujours existé entre nos deux pays et elles ont beaucoup servi l'amitié entre nos deux peuples.
Monsieur l'ambassadeur, ces relations denses et diverses se renforcent avec le temps. Et elles se renforceront d'autant plus vite que nos intérêts seront entremêlés. C'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus des intérêts communs. L'accueil qui m'a été réservé et la qualité des échanges que j'ai eus à Rome les 12 et 13 avril derniers sont excellents pour rehausser le niveau de notre partenariat et répondre aux aspirations de nos deux peuples pour davantage de prospérité et de progrès partagés. La compréhension juste de votre pays, de la nécessité et de la légitimité d'appuyer le processus de correction politique et de redressement économique en cours en Tunisie est très important, et pour nous et pour nos relations. Et nous remercions l'Italie pour tous les efforts déployés, pour l'expliquer aussi aux autres partenaires et amis que nous avons en commun. C'est une attitude intelligente et constructive qui procède d'une vision à long terme. Il faut continuer. L'importance et l'urgence des défis que tous nos pays ont à relever aujourd'hui, en Méditerranée et bien au-delà, et qui sont au-dessus des capacités de n'importe quel pays seul, nous imposent d'élever la solidarité à une valeur cardinale et très vite. C'est cette solidarité économique et politique qui a relevé l'Europe après la tragédie historique qu'elle a abritée de 1939 à 1945 et dont nous vivons encore aujourd'hui les répercussions si douloureuses. Peut-être est-ce la richesse et la sophistication de l'histoire de votre vieux pays qui vous permet de bien comprendre l'étape que traverse la Tunisie. Et pas seulement notre proximité géographique, ni la seule question de la migration, qui a forgé par ailleurs une partie de votre propre histoire et identité. Et à ce sujet, la proposition du président de la République, Kais Saied, d'une conférence régionale sur la migration avec la participation des pays concernés devrait trouver un écho favorable pour lutter efficacement, notamment contre la migration illégale et que l'on pourrait qualifier d'inhumaine également. Notre monde est de moins en moins prévisible. Nul ne peut sérieusement prétendre détenir les solutions aux problèmes de notre époque chez lui déjà, et encore moins en dehors de ses frontières. Nous avons des valeurs et des objectifs communs, oui, mais nous sommes différents. Et heureusement, chaque pays doit pouvoir atteindre sa propre stabilité et son équilibre par le biais de ses propres forces internes et de celles de ses vrais partenaires, ceux avec qui les liens et intérêts sont les plus imbriqués. C'est pourquoi je reprends à mon compte et m'en réjouis toutes nos réalisations culturelles, économiques et sociales communes que vous venez de rappeler, en appelant tous les acteurs dans nos deux pays à faire plus et à faire mieux, notre potentiel étant considérable dans tous les domaines. Monsieur l'ambassadeur, ce soir c'est votre fête. Je ne serai pas plus bavard. Bonne fête à vous, bonne fête à votre pays, à votre peuple, et vive l'amitié tuniso-italienne.